Bonjour, bonsoir à tous, c'est la Zone Mixte. Alors ce soir pour notre première émission, je suis accompagné de Nico. Bonsoir à tous. Alors Nico, présente-toi, quel est ton club de prédilection, comment t'appelles-tu, etc, etc. Alors je m'appelle Nico, mon club de prédilection c'est Strasbourg. Après à l'étranger c'est plutôt le Bayern et United. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour présenter à chaque émission les matchs et les débriefs et les choses comme ça. D'accord. Alors moi c'est Ilian. Alors je suis supporter du PSG, sinon je supporte aussi Strasbourg, Tottenham, etc. Écoutez, je vous propose de partager actuellement l'émission afin qu'on ait un meilleur contact avec vous. Et nous allons tout de suite commencer par la présentation du match de ce soir qui est OL-PSG, premier choc de ces débuts d'année en Ligue 1. Alors, qu'as-tu à dire sur ce match ? Bah, c'est sûr, c'est un choc. Le match entre le premier et le deuxième, bon, Lyon est actuellement troisième, mais avec le match en retard. Donc forcément, ce sera un choc. À l'aller, on avait vu les Lyonnais très entreprenants au Parc des Princes. Et c'est vrai que je me souviens encore de la frappe de Ndombele qui a fini sur la barre. Et non, franchement, Lyon a des arguments à valoir avec leur puissance offensive, Fekir, Depay, Mariano. Ils ont des vraies chances ce soir. Ouais. Les compositions sont pas encore sorties, mais ce qu'on peut dire à peu près par rapport à l'actu de la Ligue 1 et le reste, c'est que Lyon a vraiment quelque chose à jouer. Si Lyon gagne ce match, il reviendrait à la deuxième place avec un point d'avance sur l'OM et deux points sur Monaco. Parce que honnêtement, je trouve que même si je suis supporter du PSG, je pense que Lyon, ce serait bien quand même qu'il gagne parce que Marseille mérite vraiment pas d'être en Ligue des Champions cette année. Il ne le mérite vraiment pas. Et du coup, voilà. Sinon, parlons de l'historique de ces deux clubs. En tout cas, cette saison, Lyon avait fait l'un des meilleurs matchs aller face au PSG. Hein. Ils avaient tenu en échec 2-0 ou 2-1 face au PSG, qui a gagné grâce à deux buts contre son camp. Donc, sur des rencontres un peu antérieures, tu aurais plus de choses à dire par rapport à d'autres rencontres ? Des rencontres de la journée ou entre Lyon et entre Lyon et truc, on reste. Bah, moi je me souviens notamment d'un 4 partout. Bon, ça date, c'était il y a 3-4 ans. Où c'était un match de fou, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu une. Non, mais cette saison par exemple, comme a dit, à l'aller, c'est vrai que ça a été un match incroyable. Et que pour ma part, les Lyonnais auraient mérité d'avoir plus que. Bah, avoir au minimum un point, quoi. Que rentrer à Lyon avec 0. Et la composition du PSG vient de sortir. Le PSG jouera donc avec un 4-3-3. Avec Areola dans les cages, Dani Alves à droite, Marquinhos et Thiago Silva dans l'axe. Kurzawa à gauche, hein, grande stupéfaction. Enfin, c'est quand même étonnant. C'est étonnant de ouf de voir même Kurzawa à gauche parce que. Il avait été nul. Il est nul, c'est pas un bon joueur de foot. Et alors que. Alors que pourtant, Berchiche a fait des super matchs en Coupe et en Ligue 1 la semaine dernière, notamment. Et on retrouve alors dans l'axe, au milieu, en 6, Lo Celso, Rabiot et Verratti en 8. Et à gauche, Di Maria, à droite, Mbappé. Et en avant-centre ou en BU, Cavani, qui va sûrement, je pense, battre le record d'Ibrahimovic ce soir. Non, encore une fois, hein, Lo Celso joue en 6, ça commence à devenir une habitude à Paris. Hein. Mais c'est vrai qu'il a quand même. Il a des chances de pouvoir débuter la rencontre si le transfert imminent de la Sanadiara ne se fait pas. Il pourrait débuter la rencontre face au Real, par exemple. J'ai des infos comme quoi la Sanadiara s'est fait, quoi. C'est... Oui, j'ai aussi eu des infos à part. Pourtant, c'est que oral, mais. Non, il passe sa visite médicale lundi, là, normalement, donc. Non, mais c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on en parle et on attend maintenant la signature. Mais c'est vrai que ce sera beaucoup pour Paris d'avoir un joueur libre du niveau de Nassar Diarra. Ce sera un énorme coup. Exactement. Totalement d'accord avec toi. Après, il faudrait juste voir s'il arrive à retrouver le niveau
Parce que voilà, il a joué au Qatar, je crois, c'est ça? C'est ça. Entre Marseille et Paris, c'est pas le même niveau. Et s'il arrive à retrouver la grosse compétition, quoi. Et après, il faudra voir. Hein. Mais j'attends beaucoup de ce joueur. Oh, je pense qu'il va quand même réussir à se défendre. Et ce serait bien pour Paris justement de gagner à Lyon, hein, parce que la semaine prochaine, il y a Montpellier qui vient, donc s'ils pouvaient battre Lyon et Montpellier, qui sont quand même de gros clubs en Ligue 1, ce serait quand même une belle performance pour Paris qui aurait déjà presque le titre dans sa poche. Ah bah je pense même que actuellement déjà le titre est dans la poche du PSG, hein. Sans vouloir trop Oui, ça, non, balancer. mais oui, non, ça, non, mais je suis d'accord, mais. C'est là, s'il finit à corser de victoire, c'est pour Je moi vous le mets titre d'ailleurs sous est. les yeux la compo du PSG, hein. Plus en détail. Oh là. Donc on voit bien exactement. Donc sur le banc on a aussi Trapp, Berchiche, Kimpembe, Meunier, Draxler et Nkunku et Pastore aussi. Alors pour les Lyonnais, je vais dire la compo, c'est d'accord? Écoute, je vais l'afficher aussi, hein. Ah Mais Lila, il y a toujours. bon. Donc Lyon, ils vont jouer en 4-3-3. Anthony Lopez dans les buts. Marcelo et Morel pour la charnière centrale. Fernand Mendy et Raphaël sur les deux latéraux. Fekir en milieu central. Lucas Touzard et Ndombele qu'on parlait avant, hein, qui a fait un match exceptionnel à l'aller. Et il rejoue? Et là, oui. Et Et Ndombele à d'ailleurs ma qui est. grande surprise, Ouais. il n'y a pas de Depay. C'est Aouar qui sera sur le flanc Ah. gauche. Maxwell Cornet qui sera sur le flanc droit et Mariano Diaz en pointe de l'attaque. Duel des attaquants entre Diaz et Cavani. Je pense qu'il y a pas de y a, non non, il y a pas de y a pas de duel d'attaquant, rien du Et tout. il y a aussi Nabil Fekir qui est milieu mais plus milieu droit que milieu central. Ah ouais, il met Touzard en MOC. Et tout ça en milieu offensif exactement. C'est un peu surprenant même si. Après je pense qu'ils vont il y a des moments ils vont changer mais. C'est vrai qu'Aouar se fait quand même une vraie place dans ce 11. Et après, pour son jeune âge, il a un très très fort potentiel. Alors, je vais aussi vous afficher les compos lyonnaises. Alors, voilà. On a les deux compos. Donc, honnêtement, je pense que il n'y a pas photo. Il y a quand même le PSG est quand même au-dessus au niveau de la compo pure. Mais de toute façon, Yann, sur le papier. Ça fait longtemps qu'on le sait qu'il n'y a pas photo. La seule chance, entre guillemets, pour Paris, c'est qu'il n'y a pas. Pour Lyon, c'est qu'il n'y a pas Neymar ce soir, mais. Et encore, je pense Après, que Di Ma Di et en encore, vrai, c'est Di Maria est Maria, en il train est de chaud revenir. depuis ses derniers matchs, il est Ouais. chaud vraiment. Di Maria est en train de revenir, donc c'est vrai que. Mais de toute manière, ça va être très compliqué pour Lyon. Mais si franchement, il faut déjà les matchs nuls, ce serait déjà une bonne opération Bah, pour eux. comme je dis, lui, Lyon et le Bayern, c'était les deux seules équipes qui, à la phase aller, avaient mis à mal le PSG. Et même de la saison jusqu'à maintenant. Il n'y a que Lyon et le. Ah, il y a Dijon aussi à mettre, mais Dijon, le Bayern et Lyon, c'était les seules équipes qui ont mis à mal au PSG. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Le C'est reste, vrai c'était que. vraiment. C'était soit le PSG qui a mal joué, soit. Voilà quoi. Non, mais je suis totalement Et d'accord. encore contre Dijon, c'était parce qu'il y avait un retour des vacances internationales, etc. Bah voilà. Dijon, t'es sûr, Dijon? Dijon, oui, c'était justement Ah la trêve oui, ah internationale. oui, à l'aller, ouais. On a reproché d'ailleurs Parce que je me à suis dit, Emery, si tu parles, on avait si d'ailleurs tu parles dit. match retour avec le Ah non, non, 8-0. non, ça c'était encore ça. Ils ont pas. Lyon. Enfin, Dijon, non, ils ont pas porté de problème au PSG à ce moment-là, je pense. Non, mais c'est vrai que Paris est sur une très bonne lancée, ils accumulent. Et bon, pour l'info, hein, le Real commence aussi à revenir, espérons pas trop vite. Mais c'est vrai que cet après-midi, ils ont déjà fait très fort en gagnant 7 buts à 1 au Deportivo. Donc Bah, ils peuvent relancer cette saison, mais. avec un très 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 bon bail. Très 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 bon bail. Mais bon, après, comme dit, le Deportivo, c'est à peu près le. C'est une petite équipe quand même de Liga. Donc, c'est comme si maintenant Paris perdait pendant des années et maintenant ils regagnent contre Bordeaux, quoi. C'est pas. Voilà, quoi. C'est bien pour le Real. Mais bon, il faut en attendre plus de ce club quand même. Ah, je suis d'accord, mais c'est vrai que là, que. Ouais. Enfin, comme dit, ils peuvent revenir. Bon, le seul problème que j'ai, c'est que.
Enfin, le seul problème que Paris pourrait avoir, c'est que le Real, voilà, ils ont 19 points de retard, je crois, sur le Ouais, Barça. non, ils ont pas. La Liga, c'est fini, quoi. Oui, voilà, c'est le problème, c'est que voilà, la Liga est terminée. Et je pense que s'ils Et... reviennent pas en championnat, s'ils reviennent pas en championnat, s'ils gagnent pas la Ligue des Champions, ça va être compliqué de jouer l'Europa League l'année prochaine. Ça va leur faire bizarre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que la Liga bah, soit terminée peut leur donner de... peut leur... Ils peuvent se dire en eux, voilà, la Liga est terminée, on met tout sur la Ligue des Champions, et ça pourrait poser des difficultés quand même au PSG. C'est vrai. Mais bon, je pense qu'on a fini sur ce sujet du Real Oui, et de nos tout à fait d'accord. compositions. Je propose de revenir sous nos pronostics. Alors, quels sont tes pronostics pour ce PSG Lyon, Lyon-PSG? 2 buts à 1 pour le PSG. Même si Lyon. Ouais, Lyon peut créer la surprise en faisant le nul, mais je pense quand même 2 buts à 1 pour le PSG. Oh, le PSG a besoin de s'affirmer, ils vont gagner 5, ils vont faire un 5-1 ou 5-0. Parce que PSG, Ah, ça va. ils vont tout faire Non, je. pour montrer que contre les grandes équipes, ils sont là, quoi. Je pense pas au Groupama Stadium. Lyon peut se permettre de perdre sur un aussi bon score. Non, mais quand même, ce serait déjà très bonne affaire que de. Oh, j'ai même pas capté, c'est Cornet à droite! Oh putain! Ah, c'est Cornet, hein. Ça va être problématique pour eux, hein. Ah, non, Cornet fait un très bon début de saison. Hein. Non, Ah, Cornet, non, ah, sérieusement, non. Cornet fait un très bon début de saison. Et il a sauvé plusieurs fois Bordeaux. Lyon dans des situations qui étaient périlleuses. Non, franchement, sérieusement, ils font un très bon début de saison. Hein. Je ne peux que te Moi, faire j'ai rien à confiance. dire. Hein. Maintenant, on va parler un peu des résultats de cette des autres résultats de cette 22e journée de Deuxième Ligue 1. journée. Alors, on va commencer par le club. Donc, je pense où nous avons le plus d'informations, c'est le Racing Club de Strasbourg qui a battu 3-2 Dijon à Dijon. domicile. Ouais, effectivement, Racing l'emporte, mais oh là, que c'était difficile. Après, c'était pas difficile non plus à cause du fait que Dijon a eu un niveau exceptionnel, c'était surtout difficile à cause d'une pelouse qui était quasiment impraticable. Les arbitres ont pris la décision de jouer. Et c'est vrai que la pelouse était très très compliquée. Et d'ailleurs, je me demande comment Strasbourg va faire, qui vont recevoir Lille en Coupe de France jeudi prochain. Ça va encore être un match très compliqué. Mais c'est vrai que c'était vraiment un match, c'est du physique qui l'emportait. Et sur ce coup-là, Strasbourg était meilleur. Ouais, clairement. Bon, après, on peut quand même parler de deux buts sur pénalty, hein, Deux buts sur pénalty, mais qui pour moi sont clairement justifiés comparé à d'autres. Franchement, ces deux pénalty étaient peut-être le premier un peu hésitant, mais le deuxième a. Alors, Le je vais donner deuxième d'ailleurs. les résultats de la journée. Le deuxième d'ailleurs, c'est une super occasion d'Acosta. Il rentre à la 78e minute, 79e, il provoque le pénalty. Il fait gagner le match au Racing, entre guillemets. C'est que Lilala qui le transforme. Mais... D'Acosta qui est malgré tout un peu jeune, hein, qui fait des fois des mauvaises décisions, mais qui quand même sur les Mais phases c'est quand même offensives lui qui a, pour moi qui est apporte vraiment très fort, le trop fort. plus. Le plus, c'est que pour moi c'est lui qui apporte le plus au Racing. C'est clairement lui qui apporte le plus Offensivement, au Racing. il est trop fort. Non, c'est la personne que le Racing a besoin devant parce que elle n'a pas, il n'y a pas 1000 bons attaquants au Racing. En sachant que Terrier va partir l'année prochaine, c'est pas. D'ailleurs, je pense que vous pouvez, vous qui regardez le live, vous pouvez commenter par rapport à nos analyses, nous donner votre avis. Il n'y a pas de problème, on réagira par rapport à vos messages. Je pense que la bonne opération de la journée, c'était quand même Bordeaux qui a gagné à Nantes, 1-0. Bordeaux qui a été un peu poussif, mais Bordeaux l'a quand même emporté, et il prend les 3 points face à Nantes, quoi, qui est 5e et qui va Ah, mais il faut sûrement. surtout saluer la bonne performance de l'intérimaire. Bédoué, je crois qu'il s'appelle. Je me rappelle plus. Voilà, je crois que Mais ça c'est s'appelle que c'est parce que Pouillet qui va. venir après la démission de Gouvenec, le départ de Toulalan, ça a été très compliqué. Il a fait confiance à des jeunes, comme Youssoulouf, qui ont très bien joué le match. Non, franchement, Bordeaux a très bien joué le coup. Après, maintenant, reste à confirmer avec l'arrivée de leur nouvel entraîneur. C'est Pouillet.
Poyet, Poyet, Gustavo Poyet. Non. L'entraîneur de Ouais, Bordeaux. c'est à confirmer. Exactement. Ensuite, Toulouse qui s'est imposé 2 buts à 1. De toute façon, pas besoin de commenter ça, vous voyez les résultats face à vous. Nice aussi qui a battu Saint-Etienne. Hein. Nice qui. Nice l'emporte 1-0 ouais, grâce à un but de Cyprien à la 25e minute. Nice qui Après, devient c'était vraiment, pas. vraiment bon, enfin qui redevient, qui retrouve son niveau en fait. Nice retrouve le niveau de l'année Oui, retrouve. Peut-être pas retrouver les Niort parce qu'ils ont quand même eu du mal face au Real. En ayant regardé à peu près un peu le match, ils ont quand même eu assez de mal. Saint-Etienne a quasiment tout donné, mais ça n'a pas suffi. Mais les Niçois qui retrouvent effectivement leur ouais, leur bon niveau de la saison passée, quoi. Je te propose de revenir encore une fois sur le match de ce soir, du coup. Alors avec les Si compos. tu veux rajouter le match de Monaco-Metz ou tu veux pas. C'est un résultat logique, 3-1. Ouais, 3 buts à 1. C'est Metz, Je quoi. t'ai noté l'exclusion du gardien Messin Kawashima, mais sinon. Après, 3... Bon, 3 buts qui sont pas de Falcao. Sur les 3 buts, aucun de Falcao. Ça m'a un peu surpris. Falcao, il est un. Un petit moment de déclin. Il est un peu vieux après Falcao aussi. Non, non, mais Jorge, Guezal et Lopez ont tous les trois marqué. C'est pourtant des joueurs qui marquent pas très très souvent avec Monaco. Du coup, c'est quand même une belle opération de faire marquer des joueurs comme ça. Mais après, voilà, face à Metz, c'est un résultat très très logique. Donc, sur cette compo, est-ce qu'il y a un poste au moins où tu penses que. Est-ce qu'il y a un poste pour toi où Lyon est plus fort que le PSG? Mis à part le poste de goal où Lopez est vraiment plus fort que Areola. Je serais tenté de dire Fekir à la place de Lo Celso, mais là, Lo Celso joue en 6, on peut pas les comparer. C'est plus Verratti le Fekir, mais je pense que Verratti Fekir ça. Ça équivaut. Voilà. D'accord, c'est pas, on peut pas les comparer, c'est pas du tout le même registre. Verratti, c'est vraiment l'homme qui va récupérer les ballons. Fekir, c'est plus dans la construction et dans l'accélération pour marquer le but. Non, on peut pas. Après, comme dit, on va bien voir. Après, Fernand Mendy peut-être meilleur que Kurzawa, reste à confirmer. Après, Tété avait fait un très bon match à l'aller contre Neymar, il est pas aligné ce soir. On peut pas aligner non plus les perses que on peut pas aligner toutes les personnes. Non non mais ça. Je suis d'accord. Mais c'est vrai que là Lyon c'est quand même surprenant Maxwell Cornet à avoir sur les côtés en sachant qu'il y a quand même Depay et Bertrand Traoré sur le banc. Ils ont quand même des couilles de mettre une équipe comme ça parce que c'est vraiment c'est une espèce d'équipe 2 un peu prototype, c'est bizarre. Parce que je non, ils ont quand même l'habitude de jouer avec ça. Ça fait quand même un entre 4-5 matchs qu'ils jouent avec cette équipe. C'est quand même 4-5 matchs, mais c'est vrai que. Bah, avec Fekir à droite, c'est bizarre quand même. C'est vraiment la surprise de cette compo. Et Aouar aussi. Est-ce que peut-être jouer un peu plus défensif pour Lyon, pour pas éviter de prendre 5-6 buts? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Voilà. C'est vrai que mettre tout ça plutôt à. J'aurais mis plutôt tout ça à son poste, quoi, à droite. Mais à voir, c'est vrai que ça fait quand même maintenant 2-3 matchs qu'on le voit sur le flanc gauche, là, il est pas mal. Hein. Mais bon, je pense que honnêtement, le PSG ça les dérangera pas plus que ça, tous ces changements et tout ça, parce que. Non, mais j'ai pas dit que ça allait les déranger. Le mais... PSG va pas. C'est pas au PSG de. Non, mais j'ai pas comme dit. Il s'adaptera, c'est un grand club avec des grands joueurs. Non, j'ai aucune crainte au PSG. C'est vrai que ça fait. C'est vrai que Lyon, à part vraiment défendre, et espérer un ou deux contre-attaques, quand même. Je trouve très pratique la compo de l'OL parce qu'on peut dessiner dessus, donc parce qu'il y a un petit terrain. Donc honnêtement, moi je pense que tactiquement. En plus, tactiquement. Mettre que Cornier à la place de Daniel. Enfin, Cornier face à Kurzawa, c'est pas compliqué quoi. Je pense que même Kurzawa pourrait défendre là-dessus. Comme dit, moi, pour moi, Cornier a quand même fait des très bons matchs. Ouais, mais.
Même Kurzawa peut arrêter ça. Ensuite, ils jouent tous les deux en 4-3-3. Donc je pense que ça va être plutôt un 4-3-3 défensif. Côté PSG, ouais. Côté PSG et côté Lyon, parce que Touzard, il va jouer défensif. Franchement, je pense là, soit sur la feuille de match, voilà. Et je pense plutôt Ndombele va jouer un peu plus 6 et Touzard effectivement sur les deux côtés. Parce que Touzard, c'est vraiment un mec qui va distribuer le jeu. Fekir, il va aller chercher la dernière passe, la dernière frappe. Non, pour moi, Ndombele va clairement jouer le poste de 6. Même si à l'aller, il a quand même réussi à transpercer par de nombreuses reprises et au milieu pareil. Attends juste 3 secondes, faut que je vérifie. Réussi à transpercer par de nombreuses reprises et au milieu pareil. On m'a dit qu'on m'entendait plus. On m'entend de nouveau. Alors, excuse-moi de ce problème technique. Sinon, je pense que Raphaël et Mendy vont plutôt jouer plutôt en tant que latéraux défensifs. Hein, alors que Kurzawa et Alves vont faire comme d'habitude. Ils vont attaquer par là et les trois là, Di Maria, Cavani et Mbappé vont plutôt. Oh là. Et Mbappé vont plutôt attaquer dans le centre du jeu. Et les latéraux vont plutôt centrer. D'ailleurs c'est dommage que Meunier ne débute pas. Meunier joue pas parce que honnêtement je pense que sur les derniers matchs Meunier a été meilleur que Dani Alves. Parce que Meunier il est tout le temps constant, dès qu'il joue il est vraiment. Non mais c'est je suis complètement d'accord avec toi. Hein. Dani Alves, mais pour moi cette saison il a pas. À part le match contre le Bayern à l'aller où il met le but à la 32e seconde je crois, ou la 1 minute 32. Oui mais même, c'est même pas ça le problème, c'est d'accord il a mis un but mais il y a un manque d'irrégularité, c'est tout bon. Il y a pas de problème, je peux te pardonner ça, il y a pas de problème. Je peux juste revenir en dehors de PSG Lyon. Ça dépend quoi, mais tu peux peut-être essayer, ouais. Ouais non, on va pas trop en faire. Lyon qui reste sur une série, j'ai pas vu le match, le dernier match de Lyon, mais j'ai entendu comme quoi Lyon avait fait le meilleur match à l'extérieur de sa saison, quoi. Non, c'est vrai que contre Guingamp, ils ont réussi à développer leur jeu. Non, franchement, Lyon a fait quasiment le match parfait. Il y a eu de nombreuses occasions, la défense solide. Ouais, on peut déjà juste le voir par les stats, hein. Lyon, ils ont quand même tiré 21 fois au but. Ah ouais, quand même. Guingamp, ils ont tiré que 8 fois. Et c'est surtout, c'est un tir sur deux était cadré. C'est 13 tirs cadrés pour les Lyonnais, seulement 3 pour Guingamp. Non, Lyon a vraiment fait un très très bon match. Et encore une fois, tu rappelais, mais un très très bon match sur le cornet. Hein. Moi, je tiens à préciser, parce que tu as. Non, mais ça, non, c'est franchement, c'est pas. Pas pour le vanter ou lui envoyer des fleurs, mais pour moi c'est vraiment la petite révélation, c'est la vraie révélation, c'est où ça va voir, mais la petite révélation, moi je me suis dit que c'est le cornet, heureusement qu'il y a Bertrand Traoré quoi, parce que sinon il n'y aurait personne, mais c'est vrai que depuis la blessure de Traoré, il prend bien son rôle à cœur, hein, il y aura bien. Ouais, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la compo, enfin, ils ont fait une équipe type des deux centres de formation et je vais vous la donner. En gros, des deux équipes, si ils auraient juste les joueurs. Ils avaient, ouais. Par exemple, à Paris, alors, là, on aurait éliminé Di Maria, Cavani, Mbappé, ouais. Parce que les trois étaient formés au PSG. Et le seul en fait qui resterait au PSG serait Rabiot et Arrière.
Non, il y a aussi, Kimpembe. Non, mais je parle dans l'équipe d'aujourd'hui. Dans la compo, dans les 11 de départ. Dans les 11, hein. Alors, il y a peu par rapport à Areola. Au PSG, par exemple, dans le centre de formation, on aurait du Areola. À droite, on aurait Djadjedje. En défense centrale, on aurait Mamadou Sakho et Kimpembe. À leur côté, à gauche, Sabali. Bon, Sabali, est-ce qu'il serait meilleur que Kurzawa? C'est possible, hein, quand même, vu le niveau de Kurzawa. Après, au milieu, on aurait Nkunku, Rabiot et Eric Chantôme. Oula, Eric Chantôme? Non. Ouais, non. Clément Chantôme. Clément Chantôme. Mon mauvais. À droite, on aurait Coman, hein, qui est parti... au Bayern. Après, d'abord à la Juve, après au Bayern. On a Erwin Ogenda qui lui joue à la réserve, qui est capitaine de la réserve si je me trompe pas. Et Jean-Kévin Augustin qui est parti pour 12 millions au RB Leipzig cet été. Ensuite, on passe dans une autre dimension quand on voit le 11 type des joueurs formés à Lyon. Dans les cages, on aurait quand même Lopez. À droite, on aurait Pied. Après, on aurait Jambes. Non. Désolé. Ensuite, en défense centrale, on aurait Diakabi, Umtiti. À droite, Kolodziejczak. Kolodziejczak, ouais. Ukrainien ou quelque chose comme ça, je crois. Après, au milieu central, on aurait Tolisso Gonalon. À droite, Fekir. À gauche, Martial. Et en pointe, Benzema Lacazette, quoi. C'est vraiment une autre équipe, quoi. On voit non, mais c'est vrai Lyon est quand même, je pense qu'on peut dire, Lyon est quand même le meilleur centre de formation de France, vraiment. Non, mais c'est clair, très clair. Surtout quand on voit les deux équipes que tu viens de mettre, là, y a pas photo pour moi. Y a rien à dire. Quand on voit déjà juste l'attaque Benzema Lacazette, Real Madrid, Martial Fekir, total, quoi. Martial Fekir aussi. Ouais, voilà, Martial. C'est tout, ils ont tous continué dans des immenses clubs, quoi. United, Arsenal, Real. C'est que des clubs qui jouent avec des champions d'année en année. Umtiti, Ouais, non, c'est clairement un des meilleurs centres de formation au monde. Bon, on le voit, on monte peut-être pas, faut pas abuser, mais. En France, excuse-moi, ouais, j'ai craqué là. j'ai pas. T'as craqué non, psychologiquement, mais... c'est vrai. Ouais, non. Mais par contre, j'ai une petite question. Tu sais, toi, si Ndombele a été mis à Lyon? Non, il est pas à Lyon, il est à Amiens et il est prêté par Amiens. Ah, c'est aussi une bonne découverte. Ça, c'est bizarre parce que normalement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Hein. C'est plutôt Lyon qui prête ses joueurs à Amiens, mais bon. Tant mieux pour Amiens hein, qui pourra se faire beaucoup d'argent cet été. Non, mais tant mieux aussi pour Lyon parce que Ndombele les aide quand même clairement. Hein. Bah, ouais. Si Amiens, un club qui joue le maintien, lâche un joueur quand même Ndombele, après faut pas s'étonner que les résultats suivent pas. Après, comme dit, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient être dans ce 11, dans le 11 parisien par exemple, comme les jeunes. J'ai un trou, le latéral droit il joue. Tu sais, capitaine de l'équipe des jeunes en Ligue des Champions. Ah, oh, ça, ça, je suis pas trop là. Il y a Youth League, ça, je peux que je t'avoue. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, lui, c'est aussi sûrement une grosse pépite. Et de plus, comme dit, c'est compliqué d'arriver en tant que jeune dans une équipe comme le PSG parce qu'ils ont déjà des bons joueurs à tous les postes, alors que plutôt Lyon a quelques lacunes quand même, par exemple en défense centrale. Ouais, bon, la défense centrale. C'est pas des noms de classe mondiale. Mais c'est vrai que pour le moment, ça tient en Ligue 1. Et on a Moukhtar Diakabi qui avait fait une très très bonne saison, notamment en Europa League la saison dernière. Mais c'est vrai que là, Lyon a quand même des lacunes qui les empêchent de terminer des premiers. Il faut se dire, voilà, Paris, Mbappé, Neymar. Hein. Au bout d'un moment, s'ils finissent pas premier, faut. On part pas, on sais, les Qataris vont plus les suivre. Enfin, voilà. Si déjà l'année dernière, c'était un gros couac pour le PSG de pas finir premier. Par contre, si tu commences à partir dans ce genre de choses, ce serait un peu.
je vais pas m'énerver, mais quand même, parce que on a, comme dit, on peut pas. C'est comme les gens qui disent que avec cette attaque, le PSG va aller en... S'ils vont pas en demi-finale, ils font une mauvaise Non, saison. j'ai pas Ça, dit c'est ça, mais parfait. j'ai Mais dit qu'en fonction je calme les que gens qui par pourraient rapport penser à ça, quoi. l'Olympique, j'ai pas dit ça. J'ai dit que par rapport à l'Olympique lyonnais, s'ils font pas un meilleur classement que Lyon, c'est qu'il y a quand même un problème. Je suis désolé. Tu regardes la feuille de match, il y a quasiment aucun poste où un joueur de Paris est Si. moins fort qu'un joueur lyonnais. Si, si. Clairement. Y a, Au poste si, de vas-y, cite-moi. au Si, à goal. part au goal, les latérales gauches. Et franchement, Areola, il n'y a pas non plus 35 arrêts à faire par match. Faut Oui, ça se c'est dire, vrai, mais bon, les arrêts qu'il fait, Marquinhos, c'est un les arrêts très qu'il très bon fait. niveau cette année. Thiago Silva, il est peut-être un peu moins bien, mais quand il n'y a pas Thiago Silva avec Kimpembe qui est incroyable. Ah bah ouais. Non, faut. Mais non, mais honnêtement, Paris, quand on regarde leur match. Quand quelqu'un frappe, quand un joueur frappe au but à Paris, t'as toujours peur parce que Areola, t'as toujours le truc par rapport à l'année dernière. Oui, mais Voilà. bon. D'ailleurs, en parlant de Areola, parlons un peu de Villarreal, qui est le futur adversaire de De Lyon Lyon. en Europa Exactement. League. Donc Bah, Lola enfin, avait été franchement, prêté. t'es presque en devin, parce que j'allais justement en parler. Villarreal qui a gagné, qui a gagné hier 2-1 face à Levante et qui avait gagné 1-0 face au Real au Santiago Bernabéu. Non, mais comme dit, les deux adversaires, que ce soit pour Lyon ou PSG, vont être très, très, très compliqués, hein. Le Real et Villarreal. Comme dit, les clubs français cette année, ils Que des ont clubs royales. pas de cadeau. Non, mais pas de cadeau, pas de cadeau. Marseille a été obtenu Braga, qui est quand même un très bon club qui joue très Ouais, souvent bon, l'Europa League. Non, Marseille, mais. s'ils continuent, s'ils ont ce niveau-là, ils vont battre Braga. Mais s'ils ont le Oui. Lyon, si on revoit l'OM qui a joué contre Salzbourg, ouais, Salzbourg ou Konya Sport, ou surtout Konya Konya Sport. Sport, Où honnêtement, ils c'était. méritent même pas d'aller en Europa League l'année prochaine. Ils méritent ils ont pas de niveau, quoi. C'est une honte, quoi. Les mecs, ils venaient contre Non, Salzbourg, mais. ils sont venus pour arracher le nul, t'as l'impression. Ouais, mais bon, C'était abuse pas n'importe non plus, quoi. là tu parles C'était en tant que n'importe supporter quoi. parisien, Non, vraiment là. pas, vraiment pas. Ah C'est non. juste que Non, le mais match abuse contre pas non plus, Salzbourg, ils ont fait ils ont quand n'importe même un quoi. certain niveau, mais. C'est Mais oui, vrai que pour actuellement, le. ils ont un super niveau. Non, Ils jouent attends, bien. ça fait presque 15 matchs invaincus. Ça va Mais être très très bon, belle hein. performance, hein. Mais ce qui serait surtout incroyable pour Lyon, ce serait d'arriver en finale. Attends, t'imagines Lyon, En finale finale face d'Europa au Groupama League, il la joue au Groupama Stadium. Stade. Il joue la finale dans leur nouveau stade, c'est presque impossible qu'ils perdent. Bah, c'est le rêve de l'As, mais je pense que ça va être compliqué parce qu'on a quand même des équipes comme Naples, Leipzig. Bon, là, Naples, Leipzig, un des deux va s'éliminer. L'Atletico, Ouais, on a trop après, ce qui est d'équipes, bien, trop c'est que, d'équipes. Borussia Dortmund aussi, à Dortmund. part, ouais, y a Dortmund qui joue contre l'Atalanta, donc l'Atalanta qui a battu Lyon va certainement sortir. Et y a parfois aussi des surprises dans l'Europa League, hein. Oui, Là, l'année regarde dernière, par il y exemple, avait Gen. Napoli, là, déjà, regarde Napoli-Leipzig. Déjà, il y a un des deux gros qui va sortir. Celtic-Zénith, il y en a aussi un qui va sortir. Non, c'est vrai à part les clubs français auraient été deux gros, mais il y a aussi beaucoup de gros qui se confondent. Du coup, ça fera plus de place pour Lyon. Et après, comme je dis, faudra voir avec la chance au tirage. Faudra voir avec la chance au tirage. C'est clair, c'est clair. Mais surtout le problème, ça. Enfin, pas le problème, mais j'ai lu quelque chose comme quoi Lyon serait avantagé par leurs investisseurs chinois. Parce que Ah, mais leurs ça investisseurs chinois super, auraient fait ouais. auraient poussé et donné de l'argent à d'autres clubs chinois qui auraient acheté Bakambu. Parce que honnêtement, Bakambu, il vaut pas les 80 millions qu'ils ont mis sur la table. Ça vaut pas du Oui, tout. après ça, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Non, mais il y a vraiment des rumeurs en football chinois comme quoi ils Oui, truqueraient non, des oui, mais matchs, je bon, sais où. après, comme dit, voilà, des Malheureusement, je veux rumeurs, pas le croire. alors faudrait aussi, alors c'est aussi le problème de Villarreal, s'ils acceptent, voilà, je suis désolé, c'est aussi Villarreal qui a accepté l'offre. Si tu peux laisser partir Bakambu pour 80 millions, Oui, là, si moi oui, je là, suis je suis d'accord, Villarreal, je signe direct, hein. oui, tout le monde le vend, tout le monde le vend. Après, le problème, c'est qu'il faut absolument que Villarreal trouve un remplaçant durant ce mercato, parce que il gagne, mais pas comme vous, c'était quand même une personne qui avait un potentiel, Bah, qui avait quand même du niveau, quoi. il l'a dit la semaine dernière dans le Canal Football Club. Paris l'avait appelé pour qu'il devienne la doublure de Cavani, hein, l'année dernière. Non, mais franchement, ça pourrait être un très, 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 très bon joueur. Et il y a certains joueurs, par exemple, que je comprends pas pourquoi ils.
ça te va quand même. C'est un peu décevant quand même. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il y en a N'Golan aussi qui va peut-être partir en Chine, j'y crois pas, mais il va peut-être. Ouais, mais ça aussi serait une très grosse perte pour la Roma. Ah, ouais. Ouais. La Roma ça, qui ça... en plus va jouer contre. Contre qui il joue La Roma. Attends. Ils jouent contre un deuxième parce qu'ils ont fini premier de leur groupe contre Chelsea. De la Tético. La Roma, ils jouent contre. Non, pas Séville. Non, Séville, c'est Manchester United. La Roma. Qui joue d'ailleurs, on va arriver vers les 5 dernières minutes de notre live. Donc, vous qui êtes sur le live, je vous propose de commenter pour poser des questions, réagir par rapport à ce qu'on a dit. Poser voilà, des questions, il répondra, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez répondre. Et après, comme dit, partagez-le. Il y aura d'autres émissions, il n'y a pas que celle-là. Exactement. Il y en aura une mardi où on va débriefer tout le week-end. Une autre tout vendredi. Plus en ampleur avec. Les matchs de cette 22e journée et surtout bah, le choc de toute l'Europe, quoi. Ouais, et même les matchs. Il y a d'ailleurs la Roma qui joue ce soir aussi contre l'Inter. Très bon match. C'est un bon match. Si vous avez des questions, posez-les. Ça nous arrange. Ça nous aiderait aussi à avoir un contenu meilleur. Hein. Oui, c'est vrai. Si vous pouvez nous aider. Et après, comme dit. C'est même s'il y a des trucs qui vous plaît pas, vous dites, hein, on prend. Hein. On prend, on s'abat. Ça nous aidera justement à nous améliorer. Et comme ça, vous kifferez encore plus. Déjà que vous nous vous adorez regarder nos lives, vous adorerez encore plus les regarder. Du coup, ça la frite Roma, pas trop non plus. En... Hein. Ah non. Alors, les affiches, la Roma. Attends, je l'ai sous les yeux. La Roma joue contre le Shakhtar Donetsk. Ah non, la Roma est déjà qualifiée contre. Attention, parce que le Shakhtar est très très fort à domicile. Ouais, mais voilà. Ils avaient fait tomber City. Non, franchement, le Shakhtar est bon, non, mais. Ils avaient pas fait tomber. Ça, par contre, je peux pas te laisser dire. Ils ont pas laissé tomber City. City a mis l'équipe 2. Ils s'en fichaient. Ils étaient déjà qualifiés. Mais ils ont quand même fait tomber City. C'est juste dommage pour Naples, qui, je pense, aurait plus mérité. Naples aurait plus mérité de rester en Ligue des Champions. Après, on verra. Hein. Naples qui avait d'ailleurs atomisé Lyon. Nice. Qui avait atomisé Nice l'année dernière. Enfin non. Non, mais clairement. Après, on fera aussi des émissions spéciales Ligue des Champions avec les pronostics et tout. C'est quand même des très très gros matchs. Je pense à Juve Tottenham, Chelsea Barcelone. C'est des belles affiches. Hein. Ah, mais bon. C'est vrai. Comme dit, on va rester sur Lyon PSG ce soir. Je pense que pour ce Lyon PSG, on en a fini. Il n'y a pas de questions. Vous voulez pas parler, il n'y a pas de problème. On accepte votre choix. Donc, je pense qu'on va vous laisser là. On vous dit alors à mardi pour le live à 19h30. À 19h30 pour la grosse émission. La grosse émission avec tous les débriefs. Alors, attends, j'ai juste un message. Attendez, le Shakhtar, ils sont grave chauds avec les trois dehors. Message de Ben. TheBen6703. Non, mais comme dit, je l'ai dit, ils ont fait tomber City. Et pour moi, c'est très très fort. Les trois devant qui sont Bernard, Ferreira et Marlo. Ah non, mais franchement, ça va. Peut-être que tu me crois pas là-dessus, Yann, mais moi, je te dis, Shakhtar, je m'en méfierais quand même. S'ils font un bon match à l'aller à Donetsk. La Roma, c'est pas non plus l'équipe la plus forte à domicile. Hein. Ah, la Roma. L'année dernière, la Roma, ouais, mais bon, quand on voit que l'année. Ils ont réussi ouais, à battre. Bon, voilà quoi, ils ont. Ouais, mais comme dit, ils ont disqualifié. C'est pas ça. Ils ont disqualifié l'Atletico. Hein. Donc c'est pas des Charlots, les mecs. L'Atletico, mais ils ont disqualifié. Mais après, voilà, l'Atletico, c'est plus non plus le même niveau qu'il y a 2-3 ans. Ils ont pas le niveau pour aller des champions cette année, l'Atletico. Et ça se voit clairement. Je pense ils reviennent là, ils commencent à revenir. Alors. Ils commencent, mais c'est trop tard. C'est trop tard. On parle quand même d'un Atlético qui est aujourd'hui en Europa League et qui l'année dernière jouait la demi-finale de Ligue des Champions et. Il y a deux ans jouait la finale. Non, d'ailleurs. Ça doit quand même faire mal pour les socios de l'Atlético. C'est comme ça, hein, c'est comme ça. C'est vrai que l'Atlético en 3 ans, 3 demi-finales. Non! Si, 3 demi-finales, non?
Non, 2015, ils n'ont pas joué. 2015, ils n'ont pas joué. 2014 et 2016. 2014, ils étaient en finale, je crois. Ouais, 2014, ils ont perdu au penalty contre le Real. Et en 2016, éliminé contre le Real de nouveau. Donc les derbys de Madrid, on en a l'habitude, mais c'est vrai que ce sera compliqué aussi pour cette équipe. Bon. T'as un mot à ajouter par rapport à Lyon PSG? Écoute, je pense qu'on va laisser aux personnes prendre leur petit apéro d'avant-match. Chercher des pizzas, chercher des bières, et des choses comme ça. Hein. Exactement. Et je pense que je vais vous dire au revoir. Hein. Je te laisse leur dire aussi. Hein. Tu me laisses le mot de la fin ou tu veux le faire? Vas-y, fais-toi plaisir. Je suis généreux. Ah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon match. J'espère qu'il y aura plein de buts parce que bon, c'est vrai que quand il y a deux oppositions comme ça en Ligue 1, c'est pas souvent le cas. Très bon match à tous. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé. Et à mardi 19h30. N'oubliez pas, hein. Allez. Allez, ciao. Bonne soirée.